les loups du Gévaudan a été créé en 1985 par Gérard Minatori dans un souci de réhabilitation de l'animal auprès du public. On essaye d'effacer, d'atténuer toutes ces peurs, histoires, légendes qui ont couru sur lui dans les siècles passés. Nous avons aujourd'hui une population de 102 loups sur une vingtaine d'hectares, originaires de Sibérie, de Mongolie, de Pologne et du Canada. Chaque année, nous avons la possibilité d'avoir de la reproduction au cours de l'hiver et d'observer des louveteaux au printemps qui suit. Il faut compter à peu près 4 à 6 louveteaux par portée. Nous serons même amenés par la suite à les tatouer et à les vermifuger. Vous pouvez également visiter l'espace muséographique consacré au loup, à ses origines, aux croyances qui ont existé sur l'animal. Dans cet espace muséographique sont présentées des expositions photos, des vidéos traitant du comportement et de la biologie du loup. C'est pas leur nourriture réelle. Je vais commencer à voir s'ils bougent ici. On n'a pas vu les Et s'ils sont moins craintifs, c'est pas parce qu'ils sont canadiens, c'est parce que quand vous descendez l'allée principale, tous les loups côté droit sont au-dessus du talus, ils nous dominent. Le parc est accessible en hiver. On peut y observer les loups actifs avec leur fourrure hivernale.